Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Voici la prière que Dieu a mise sur mon cœur pour ce mois d'août. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre tous mes frères et sœurs qui vont entrer dans ce mois d'août. C'est le 8e mois de l'année et nous voulons t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies en ce mois d'août. Seigneur, nous nous attendons encore à toi en ce nouveau mois. Viens et change nos vies. Transforme-les à la gloire de ton nom, à l'image de ton Fils bien-aimé. Ajoute ce qu'il nous manque et enlève ce qui ne te plaît pas. Nous sommes l'argile entre tes mains. Façonne-nous à ton image. Utilise-nous pleinement pour la gloire de ton nom. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Le mois d'août, c'est A comme amour. Seigneur, mets en nous le même amour qui était en Jésus-Christ. Toi en qui la première nature est l'essence même de l'amour. Donne-nous de pouvoir aimer à notre tour ceux que tu as placés à nos côtés. Dépose en nous cet amour qui déplace les montagnes, qui couvre une multitude de péchés. Aide-nous à nous conformer en toutes choses à ce qui représente l'amour parfait que tu nous décris dans ta parole. Oui, Seigneur, l'amour qui est patient et plein de bonté. L'amour qui n'est pas envieux, qui ne cherche pas à se faire valoir. L'amour qui ne veut pas se mettre de l'avant, qui ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. En toute occasion, cet amour excuse tout, pardonne tout, croit tout. Avant tout, il fait confiance et il espère tout. Il supporte tout et persévère continuellement à aimer les autres malgré tout. Oui Seigneur, accorde-nous de toujours marcher dans l'amour comme toi-même tu l'as fait. Trace devant nos pas l'empreinte de Jésus-Christ et scelle nos vies de cet amour inconditionnel qui le caractérise si bien. Oui, l'amour que Jésus-Christ a eu envers nous. Aide-nous à nous aimer comme nous-mêmes. Aide-nous à nous aimer comme tu nous as aimés. Et à nous voir comme tu nous vois. Ainsi, nous serons capables, nous aussi, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, nous reconnaissons que sans l'amour, nous ne pouvons rien faire qui te soit agréable, car nous pourrions posséder tous les dons, donner toutes les plus belles prophéties ou avoir toute la connaissance,
faire toutes les plus belles actions du monde ou réussir à faire tous les plus grands miracles, ou même encore si je sacrifiais tous mes biens et allais même jusqu'à donner ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne servirait absolument à rien. Oui, Seigneur, que toutes nos actions et toutes nos paroles soient empreintes d'un amour sincère et véritable. Seigneur, réveille en nous l'amour que tu as déposé dans nos cœurs, que nous puissions aimer sans aucune mesure comme Christ nous a aimés, aimer sans juger, aimer sans s'attendre en retour, aimer nos proches et nos familles sans hypocrisie, aimer notre prochain et lui apporter notre aide quand il en a besoin, aimer et se laisser aimer. Seigneur, déverse toujours plus ton amour dans nos cœurs. Remplis-nous de ton amour, déverse une mesure bien serrée dans nos cœurs et que toutes nos actions débordent de la puissance de l'amour. Seigneur, j'invoque ton nom sur la vie de mes bien-aimés, que tu puisses briser le pouvoir de la haine et que tu puisses le remplacer par la puissance de l'amour, que tu puisses briser le pouvoir de la division et que tu unisses ton peuple par un même amour. Que tu puisses briser le pouvoir de la colère et la remplacer par la paix de ton amour dans tous les foyers de mes bien-aimés. Que ton épouse, ton église, retrouve le chemin de son premier amour. Rappelle à toi tous ceux qui se sont égarés loin de ton amour. Rappelle chacun de tes enfants qui s'est éloigné de ton église à cause du manque d'amour. Je te prie afin qu'aucun d'eux ne se perde dans toutes sortes de dérives vaines et inutiles. Qu'aucun d'eux ne se fatigue d'aimer sans attendre en retour. Je te prie pour tous mes bien-aimés, afin que leur amour ne se refroidisse pas à cause de l'ampleur de l'iniquité au sein de cette génération, mais que chacun d'entre eux trouve la force et le courage auprès de toi de persévérer dans l'amour jusqu'à la fin. Que ton Église déborde de compassion pour toi et marche sans relâche dans l'amour pour son prochain. Qu'une nouvelle ère commence, qu'un nouveau chapitre soit écrit, que les cieux s'ouvrent et qu'une voix se fasse entendre du haut des cieux. Soulève une génération empreinte d'amour et de compassion, qui reflète entièrement qui tu es réellement et qui marche sans relâche dans la puissance de l'amour. Oui, ce mois d'août, c'est aussi haut, haut comme obéissance. Seigneur, dépose en nous un esprit bien disposé à faire ta volonté. Aide-nous à accepter, écouter, exécuter, observer, suivre et respecter toutes tes ordonnances et toutes tes directives. Donne-nous d'être attentifs et d'obéir à chaque chose que tu nous demandes, dans les petites choses comme dans les grandes. Sachant que si nous sommes obéissants dans les petites choses, tu nous confieras davantage pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous reconnaissons qu'il y a une grande bénédiction liée à l'obéissance. Tu as déclaré que si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ta parole est claire à nos yeux, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons nous y conformer afin d'y faire pleinement ta volonté et d'être bénis en retour. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Et la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Oui, Seigneur, nous voulons être trouvés sincères et vrais devant toi. Car tu nous as dit que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus ».
Retirez-vous loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh Seigneur, au contraire, nous voulons faire partie de ceux qui ont tes commandements et qui les gardent. Oui, tu dis que celui qui garde mes commandements est celui qui m'aime. Et il sera aimé en retour de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Seigneur, nous voulons purifier nos âmes en obéissant entièrement à ta parole. Seigneur, que ta parole soit une encre pour nos âmes, qu'elle nous retienne loin du péché. Car tu préfères de loin quand tes enfants t'obéissent et se soumettent entièrement à ta volonté que tous les sacrifices et toutes les offrandes que nous pourrions faire. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché de l'idolâtrie. Alors, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, Seigneur, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rend-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts et n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Seigneur, je veux le déclarer pour ma vie, que l'obéissance à ta voix soit mon partage aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Oui, le mois d'août, c'est aussi U. U comme union. Seigneur, je veux te prier pour tous mes bien-aimés qui sont unis dans les liens sacrés du mariage. Ta parole nous dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Que personne donc ne puisse s'imposer au sein de leur union. Que chaque père et chaque mère puissent laisser leurs enfants diriger leur nouveau foyer à leur guise, sans contrainte, sans compromis, sans opposition. Que chaque personne réalise donc la position qui leur est due et qu'ils assument la responsabilité de leur propre foyer. Que les pères et les mères gardent leur position en tant que telles, en continuant à conseiller et guider leurs enfants, et non en les dominant et en s'imposant dans leur vie et leur foyer. Que chaque mari et chaque femme puissent s'épanouir dans leur couple et prendre chacun la place qui leur est due. Sans déséquilibre, sans compétition, sans contrainte et sujet de dispute. Seigneur, je te prie afin que leur union soit sainte et sans souillure. Que chaque femme soit soumise à son mari, comme l'Église elle-même est soumise à Christ. Qu'elle le fasse dans la crainte selon les principes établis dans ta parole, sachant que le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Donc, que chaque femme use de grâce, de respect et d'une soumission bienveillante envers son mari, comme elle le fait envers le Christ. Qu'elle le respecte donc en toutes choses, en parole, en acte et en pensée, non dans une soumission malsaine ou dominatrice,
mais dans le respect, l'amour et la fidélité à leur mari. Que chaque mari aime sa femme comme Christ a aimé et s'est donné pour son épouse, l'Église. Qu'il la sanctifie par des paroles justes, droites et empreintes d'amour et de douceur. Qu'il l'honore, la respecte, l'aime et en prenne soin, comme Christ s'est lui-même donné tout entier pour son épouse, l'Église. De même que Christ est le chef de l'Église, que le mari prenne conscience qu'il est le chef de sa femme, non en la dominant, mais en la respectant et en l'accompagnant avec douceur dans toutes les difficultés de la vie. Que chaque mari soit donc lui-même soumis au Christ afin d'être le reflet de son autorité au sein de son foyer, et non comme un chef rebelle et dominateur soumettant son épouse à tous ses propres désirs. Oui, Seigneur, qu'ils s'honorent mutuellement en prenant soin l'un de l'autre, comme tu le demandes dans ta parole. Que personne ne soit une occasion de chute pour mes bien-aimés. Que personne n'use de ruse pour les séparer. Que toute arme forgée contre leur mariage soit anéantie par la puissance du Saint-Esprit. Je te prie de briser toute mauvaise parole qui a été prononcée contre l'union sacrée de leur mariage, qu'elle soit nulle et sans avenue. Que toute convoitise des yeux soit brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute tentation humaine envoyée par l'ennemi pour briser ou diviser le couple de mes bien-aimés soit déjouée au nom puissant de Jésus-Christ. Que leurs désirs soient de nouveau portés l'un envers l'autre. Annule toute malédiction générationnelle qui conduit au divorce. Annule toute malédiction générationnelle qui conduit à l'adultère. Que la puissance de la sanctification au sein de leur couple découle sur la vie de leurs enfants et qu'ils soient bénis jusqu'à la millième génération. Je déclare et je proclame qu'aucun plan que l'ennemi a projeté ne pourra prospérer dans la vie de mes bien-aimés. Désormais, mes bien-aimés vivront au sein d'un foyer purifié, saint, stable et équilibré au nom de Jésus-Christ. La joie et la paix sera leur partage. L'amour et la compassion rempliront leur cœur. Seigneur, unis-les dans ton amour. Qu'ils soient un en toi et avec toi. Sois le ciment de leur couple et la lumière qui éclaire chacune de leurs décisions. Unis-les par ton esprit et que la complémentarité et la complicité soient désormais leur partage au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ce mois d'août, c'est aussi T comme transformer. Seigneur, viens nous transformer. Oui, change et transforme nos vies à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, que ton caractère soit en nous, que tes paroles soient sur nos lèvres, que nos mains soient les tiennes et nos pieds marchent de la même manière que Christ a marché sur cette terre. Dirige nos pas et nos pensées afin que nous accomplissions pleinement ta volonté. Change et transforme nos vies afin qu'elles te reflètent dans toute ta gloire. Seigneur, nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent, mais nous voulons être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de pouvoir discerner quelle est ta volonté, Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, de ceux que tu as choisis selon ton plan. C'est pourquoi nous voulons garder à l'esprit que tout ce qui nous arrive dans la vie a pour but de nous rendre plus forts, plus courageux, plus confiants. Car tu veilles sur nos âmes, tu veilles sur nos vies. Tu nous changes et nous transformes au travers de nos épreuves et nos difficultés. Tel un père conseille son fils pour son bien-être dans l'avenir, tu diriges nos pas et tu nous conseilles dans les épreuves de la vie. Nous ne sommes jamais seuls et abandonnés, car sans cesse ta main bienveillante repose sur nous. Telle l'image d'une chenille qui s'enferme dans son cocon pour en ressortir transformée en un magnifique papillon, tu agis de la même manière dans nos vies.
Les épreuves et les difficultés qui traversent nos vies sont comparables à ce cocon qui enrobe la chenille de toutes parts. Même si à premier abord, à la vue extérieure, nous avons l'impression que ce cocon forme un tombeau qui va engloutir la chenille et finira par la faire périr, nous réalisons qu'au bout d'un certain temps, que ce tombeau ne fut que l'instrument parfait pour une incroyable et magnifique transformation. La petite chenille insignifiante, aux formes repoussantes, finit par devenir un majestueux et magnifique papillon multicolore qui en éblouira plus d'un. De la même manière dans nos vies, Seigneur, tu utilises les circonstances et les événements, nos problèmes et nos difficultés, nos épreuves et nos défis à relever, comme un cocon qui vient enrober nos vies et opérer une incroyable transformation dans notre caractère, nos émotions, nos capacités et même notre volonté afin de les aligner avec la personnalité que tu veux nous donner pour accomplir le plan parfait que tu as dessiné sur nos vies. Sans cette transformation, nous ne pourrons pas accomplir ta volonté parfaite pour nos vies. Sans cette transformation, impossible de nous envoler vers le ciel, vers cette destinée que tu as tracée pour notre avenir. Certes, parfois le prix nous semble difficile à payer et les souffrances qu'opère cette transformation sont douloureuses et nous donnent l'impression de mourir parfois. Mais c'est un chemin inévitable par lequel tu dois nous faire passer pour pouvoir devenir un homme, une femme selon ton cœur, Seigneur, et accomplir ainsi ta parfaite volonté. Parfois, le processus de transformation nous déstabilise et nous fait douter sur ta bonté, Seigneur. Mais tout n'est qu'une illusion, car un jour, en regardant en arrière, nous comprendrons que dans tout ce que nous avons passé, tu étais là et tu contrôlais toutes choses dans les moindres détails. Ton plan est parfait. Tes plans ne sont pas les nôtres. Tes pensées ne sont pas les nôtres. Et ta logique est loin d'être la nôtre. Mais elles sont de loin les meilleures choses qui nous soient arrivées dans nos vies. Mon frère, ma sœur, si tu as demandé de la force, attends-toi à ce que Dieu te donne des épreuves et des difficultés pour te rendre plus fort. Si tu as demandé plus d'intelligence et de sagesse, attends-toi à ce que Dieu te donne des problèmes à résoudre et des solutions à trouver. Si tu as demandé de l'amour, attends-toi à ce que Dieu mette à tes côtés des personnes qui ont besoin d'être aimées et entourées, des amis à aider dans leurs propres difficultés. C'est vrai, nous ne recevons peut-être pas toujours précisément ce que nous avons demandé, mais c'est ainsi que Dieu opère en nous une réelle transformation, une métamorphose pour la gloire de son nom. C'est alors que nous mourrons à nous-mêmes en abandonnant notre propre capacité, notre propre intelligence, nos propres forces et nous nous revêtons de sa force, de son intelligence, de sa capacité pour accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. Alors mes bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Seigneur, garde-nous et dirige nos pas encore tout au long de ce mois d'août. Nous nous en remettons à toi et nous nous attendons à toi. Change et transforme nos vies pour la gloire de ton nom. Que tout ce qui nous manque nous soit donné pour venir combler nos manquements. Et que tout ce qui ne t'honore pas dans notre vie nous soit ôté
pour nous rendre toujours plus conformes à l'image de Christ. Remplis-nous de ton amour. Aide-nous à t'obéir dans les grandes. Aide-nous à t'obéir dans les grandes comme dans les petites choses que tu nous demandes. Unis toujours plus nos couples et transforme nos caractères et nos vies pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont en accord avec cette prière. Je te prie de les bénir, de les garder au creux de ta main. Je te prie de les consoler, de les fortifier, de les restaurer, de les guérir pour la gloire de ton nom. Bénis-nous tous ensemble, abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reconnais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare et je confesse que la bénédiction est mon partage, car j'obéis à la voix de mon Dieu. Que la paix et la faveur divine habiteront désormais dans mon foyer. Que la santé physique établira sa demeure dans mon corps et que toute maladie ou infirmité n'y a plus aucune place. Je suis le temple du Saint-Esprit et ma vie appartient à Dieu. Il est assis sur le trône de mon cœur et règne en maître dans ma vie. Désormais, il a effacé tous mes péchés et toutes mes iniquités et toutes mes transgressions et je marche en nouveauté de vie sous la soumission de mon Dieu. Si un jour il m'arrivait de tomber, je reconnaîtrai devant mon Dieu mon péché et je serai conscient qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de toutes mes iniquités. Je serai bénie dans tous les lieux que la plante de mon pied foulera. Je serai bénie dans toutes mes entreprises et l'œuvre de mes mains portera du fruit en abondance. Je serai bénie à mon départ et à mon arrivée et dans tous mes déplacements. Mon Dieu me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Ils sortiront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, m'a donné en partage. Je serai saint, comme je l'ai juré, et je marcherai dans toutes les voies de l'Éternel, mon Dieu. Je ne manquerai de rien, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, selon ta grande richesse, il ouvrira pour moi son beau trésor, le ciel, et me comblera de tous ses bienfaits. Je serai le premier et non le dernier, la tête et non la queue, devant et non derrière, car la main de mon Dieu me donnera en possession les meilleurs fruits du pays. Oui, je déclare et je confesse que je suis béni, et ma vie est entre les mains de mon Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, au nom de Jésus.